Bonjour, bienvenue à Fais tes effets guitare. Dans cette vidéo, je vous parle d'un circuit qui produit des sons étranges et chaotiques, le Thing Modulator. Voici le Thing Modulator monté sur Perfboard. Vous trouverez le schéma du Perfboard que j'ai dessiné dans le blog, j'ai mis le lien dans la description. Avant de passer au Perfboard, je suis bien sûr passé par l'étape de la plaque de prototypage. Cela m'a permis de faire différents tests et de faire quelques ajouts comme ces deux interrupteurs, comme on le verra après. Le chip que j'utilise est un LM567, et ce n'est pas un LMC567 qui figure dans le circuit originel, que le résultat est plus ou moins le même. Alors les crépitements sont dus au fait que j'utilise un condensateur de 1 microfarad qui est peut-être un peu trop grand pour le condensateur qui correspond à la broche numéro 6. Après nous verrons ce qui se passe quand je mets un condensateur de valeur plus petite qui correspond au circuit original. La fréquence de détection du PLL est déterminée par la valeur de ce condensateur qui est connecté à la broche numéro 6 et par la valeur des résistances connectées à la broche numéro 5. Dans ce cas, j'ai une résistance et un potentiomètre, et donc ce potentiomètre me permet de faire varier cette résistance, donc la fréquence de détection du PLL. Donc voyons ce qui se passe quand je bouge la valeur du potentiomètre. En fonction des notes qu'on joue, le PLL réagira d'une manière différente en fonction des notes qu'on joue et de la fréquence qu'on lui a commandée avec le potentiomètre. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque j'utilise le condensateur de 100 nanofarad. On fait apparaître une oscillation, vous l'entendez?
Alors son amplitude est plus faible que l'amplitude de sortie du signal audio. Donc quand on joue, c'est pas un problème, mais quand on fait du silence, elle s'entend quand même bien. Alors l'auteur du circuit le mentionne et préconise de mettre un réseau RC au niveau de la bande d'alimentation. Moi, dans mon cas, j'ai augmenté le condensateur à 220 microfarads pour diminuer cette oscillation, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je vais vous montrer après comment on peut faire pour supprimer un peu cette oscillation. Et voyons un peu comment ça sonne maintenant avec un condensateur de 100 nanofarads au niveau de la broche numéro 6. Et donc ce circuit est idéal pour créer des sons bizarres, percussifs ou des textures. Alors, comment remédier au problème de l'oscillation? En revenant au condensateur de 100 nanofarads. Donc, on l'entend bien là, c'est l'oscillation. Et là, je fais varier la fréquence de détection du PLL. Et pour y remédier d'une manière un peu drastique, ce que j'ai fait, c'est rajouter en sortie du circuit intégré un filtre passe-bas, ce qui va couper tous les aigus. Donc il est au niveau de cet interrupteur. Voilà, lorsque je fais ça, je coupe tous les aigus, mais je coupe également les aigus qui viennent du signal audio. Par conséquent, le son de la guitare sonne beaucoup moins brillant. Il sonne également moins fort. C'est normal étant donné que j'ai mis un filtre qui m'absorbe du signal. L'autre manière à laquelle j'ai pensé pour améliorer le problème de l'oscillation, c'est d'ajouter un booster juste avant l'entrée du Thing Modulator. Donc ça, c'est un booster qui utilise un MOSFET. Bon, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Et donc l'idée, c'est d'augmenter l'amplitude du signal tout en maintenant l'amplitude de l'oscillation qui nous gêne. Et donc ainsi, on peut baisser le niveau de l'ampli. Et en principe, donc ça améliore notre circuit.
Donc, allons-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube ou à la newsletter de mon blog Fais tes effets guitare qui parle de pédales d'effets, de comment les construire et de comment elles fonctionnent. À bientôt!